mosaïeur, là, celui que les filles appellent l'arc du président des mosaïeurs. Mm-hmm. Il vient, il me traite de cervelet. Quoi? Il vient, il me traite de cervelet. Mais attends, je me suis dit que mais est-ce que le mec là il regarde même la gueule de la femme qu'il a de venir traiter une tête pré-remplie comme la mienne là, des cervelets, il me dit ouais, ce que tu fais là c'est la fémania. Je lui ai dit que non, écoute-moi mon très cher petit aux écossais. Le mec là il est aux écossais, obédience de Yaoundé. Laisse mon frère, hey. Je lui ai dit petit connard de merde. Et c'est normal ce qui se passe avec mes photos et mon nom c'est de la fémania. Sauf que ce sont tes frères. Quoi? Je lui ai dit ça, j'ai dit ça à ce mec là, celui qu'on appelle le président des mosaïeurs là. Il lui a dit que ce sont tes frères qui viennent prendre mes photos, qui créent des pages, ils font exactement ce que tu fais. Ah! Et ils viennent, t'as dit que pour nourrir les femmes comme la tienne. Bon, je voulais pas lui parler de sa femme là parce que ce monsieur là il me traite des cervelets. Mais je vais aller lui demander de regarder un peu la femme qui est à côté, le guignol qui est à côté de là. Quoi? Je lui dis que mais jamais, je veux bien être une cervelet, mais je vais jamais ramasser quelqu'un comme lui là. Ah! Faut faire attention mon très cher frère, faut faire attention. Moi déjà de nature je t'aime pas, j'aime pas tout ce que tu représentes. Eh oui! Tu viens de te dire quelque chose. Toi tu fais ta part de fémania, tu montes, tu descends, machin, tu fais, tu sucer les gens là. Moi tu sais, je vais te parler, je t'aime pas, je vais d'abord te dire que je t'aime pas. Alors tu sais, quand tu as affaire à moi, il faut être prudent. Ah bon? Et pourquoi? Parce que là où tu es là, je peux gâter toutes tes choses là, tu pars au gata. Et moi qui te dis ça. Quoi? Je te dis que spirituellement, je te montre quelque chose. Je te montre pas tes petits marabouts, tes petits charlatans, tes petits gourous de la rose, quoi là. Fais attention quand tu t'adresses à moi quand même. Tu comprends? Si j'avais prononcé ton nom, je me suis adressé à faux. Il faut lui-même aussi. C'est quelqu'un, hein. Je suis même allé derrière toi là, à Paris là. Ce qu'on disait même de te finir même pas quoi ça. Donneuse de leçons. Continue. Faut lui, chaque fois, il dit qu'il ne traite pas avec les 14 ans. Et il est là, il vénère un 14 ans. Moi, je lui ai dit, mais tu fais rien de la faute, mais tu fais comment pour vénérer un 14 ans? Pourtant, chaque fois, ici là, tu tires sur les 14 ans. Je m'interroge. Bref, moi, je voulais dire à ce monsieur là que moi, vos conneries que vous faites là, vous donnez l'impression dans votre rose, quoi là, d'avoir des pouvoirs. Tu t'amuses avec moi. Je vais te donner du temps. Je vais te demander de rassembler ton gourou et tes multiples marabouts que tu fais pour emballer les gens. Non, je ne fais pas la fémania, mon très chef. Con. Je ne fais pas de la fémania. Ce sont tes frères qui multiplient les pages, comme je te l'ai dit. Ils multiplient plein de pages à mon nom. Ils prennent mes photos pour anarquer les innocents avec ça. Ah! Moi-même, je n'ai pas le temps. Je passe ma vie à travailler. Quoi? Tu t'amuses, on va te demander ici là où ta femme travaille. Il faut arrêter ça. Quoi? Faut arrêter ça. Le guignol que tu as là, tu t'amuses, tu m'insultes. Je vais te demander de nous présenter là où ta femme la travaille. Ça, c'est clair. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? Du moment où quelqu'un n'a pas prononcé ton nom, évite. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je peux créer une faille. C'est-à-dire, je peux créer une faille dans ta vie. Fais attention. Quoi? Ne me sous-estime pas. Ah bon? Et pourquoi? Ceux qui m'ont sous-estimé ont été surpris par ma force de femme. Oh, maman. Là où tu es là, tu pars parfois, tu voles les choses des gens, tu te dis pas faire le nganga là. Moi je sais avec quoi on vous blende, parfois on vous blende avec la peau du caméléon. Là où tu me vois là, il faut jamais me sous-estimer. Ah bon? Et pourquoi? Je peux créer une faille, on frappe sur toi. Quoi? Je dis, j'ouvre juste une faille comme ça là, on tape sur toi. Même les choses que tu fais là, t'as dit que tout, t'as dit qu'on commence maintenant, que dès que tu pars ici là, on va. Qu'est-ce qui s'en comme là? Donc méfie-toi de moi, je t'aime pas. Quoi? J'aime pas tout ce qui, t'as dit que tout ce qui tourne autour, t'as dit vous avez un groupuscule de personnes là. Vous êtes un groupuscule de personnes là. Que j'aime pas. Et vous êtes là, vous voulez parler au nom des autres. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. Mon ami, quand tu viens me traiter de cervelet, on va te demander, puisque je suis une femme, on va te demander de nous dire ce que la femme que tu as dans le cerveau, tu blagues ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Hmm? Toto tire na manama, tire Toto. Oh, c'est pitié incroyable. Tu rigoles ou quoi? Vous avez bâti votre renommée sur des châteaux de sable. Que et cervelet. Mais tu blagues avec qui? Tu as dit que tu sais quoi? Moi je vais te dire quelque chose, fais attention. Ah bon? Et pourquoi? Du moment où je t'ai pas tagué, tu n'as pas tagué, tu n'as pas prononcé mon nom. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu peux beau te faire voir dans le ramassis des petits restaurants de la place parisienne, mais moi, Camille, j'aurai jamais de la considération pour toi. Parce que je t'aime pas. Ça ne date pas de maintenant, ça fait longtemps, je t'aime pas avec toute ta bande là. Et pas de diamant, vous qui voulez là. Je vous aime pas. Oh, c'est pitié incroyable. Tu entends avec quoi? Et tout de suite, comme tu as les petites saletés qui sont là-bas au pays, que tu les fais croire qu'elles travaillent aussi dans tes quoi. Tout de suite, mon téléphone commence à sonner avec les mots du camion. J'ai pas le temps. Tu entends avec quoi? Je n'ai pas le temps. Tu as trop de problèmes à régler, trop de choses à gérer, trop de paperasses que je ne parviens jamais à terminer. J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas le temps. Tu es là, tu vas venir, un petit esservelé, machin, tout. Ce sont tes frères, mon frère. Mon très cher frère, ce sont tes frères. Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais, chez Angie Exotique, toutes les semaines, vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains. Chez Andy Exotique, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Andy Exotique a aussi mis à votre disposition un mini café restaurant et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Andy Exotique, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques. L'animation, ça vient de la Andy Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Mali, c'est le bolet authentique. Qui multiplie mes pages, ils volent les gens. Et la plupart d'entre vous partent là-bas, quand vous quittez, vous partez pour enregistrer les gens là. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un? Moi, quand quelqu'un m'envoie les messages, si j'ai 50 messages, je vais répondre au moins 140. J'ai pas le temps d'écouter les balbiages des gens. Parfois, j'ai pas envie d'écouter les gens. Donc, méfie-toi de moi. Mais là où tu es là, comme tu m'as traité des cervelets, là, on ne sait jamais. Attends-toi avec moi. Donc, appelle un peu tes gangas là que tu as du gauche à droite là. Quand tu as volé les cartes, tu leur dis quand même que
faut quand même surveiller la femme là, parce que quand tu vas t'attendre le moins, je vais te frapper. Je vais te frapper quand tu vas t'attendre le moins, je vais ouvrir une faille. Tu entends avec quoi? Je vais t'affaiblir. Parce que quand tu fais, je sais comment tu fais pour te cacher quand tu voles les gens. Je vais déjouer ton bourreau de la rose, quoi. Je sais comment on frappe les rosicruciens comme toi. Je sais pas où on passe. Va demander à Aïcha comment elle va te dire. Elle va te dire quelque chose. Je sais pas où, par quel porte on passe pour frapper les rosicruciens comme toi. Je vais te faire quelque chose. Mais par contre, toi, tout ce que tu vas vouloir envoyer dans ma direction, ça va retourner dans ta gueule et dans la gueule de tes enfants et de ta femme là. Tu essayes, ça va retourner que sur tes enfants là. Mais par contre, moi, je vais te chatouiller un peu. Je vais ouvrir une faille. On va te taper à juste mieux. Les trucs que tu fais, parce que moi, je sais comment vous fonctionnez, vous les rosicruciens. Quand vous êtes dans vos trucs là et que votre femme aussi dedans avec vous, ce qui est ton cas, ce que vous faites, c'est que quand vous partez dehors, vous voulez la chose des gens. Quand vous vous tapez, vous venez vous cacher dans le territoire de vos femmes parce qu'elles sont sorcières. Elles sont également sorcières comme vous. Mais elles sont d'une sorcellerie que quand même si elles ne font pas partie de vos obédiences, elles sont quand même marchées la nuit avec vous. Vous partez, vous venez vous cacher dans le territoire de vos femmes. C'est pour ça que l'autre gros pépé là, il est parti prendre une ivoirienne parce qu'il fallait qu'il prenne quelqu'un qui sert le vaudou. Il fallait qu'il prenne quelqu'un qui est dans la. C'est-à-dire qui sert, qui fait l'amitié dans les obédiens là où vous. Tout ça, vous êtes à la rose quoi. Vous tapez pas 99% des femmes. 99% vous êtes à la rose quoi. C'est la rose quoi. Vous êtes de la branche à mort. Vous êtes de la branche à mort. Donc quand tu vas me traiter des cervelés, moi je vais pas venir ici discuter avec toi. Vous là, vous tous dans votre clan là. Vous tous les gens là qui passent le temps à voler les énergies des gens sur la toile là. Quand vous m'attaquez, si un de vous m'attaque, je rassemble seulement les maîtres spirituels qui sont tout le monde. On crée une faille dans vos vies. Tu entends avec quoi? Donc les cervelés, c'est la femme que tu as autour de toi là. La goutte de vie de là qui s'agit beaucoup là autour de toi. Méfie-toi avec moi. Faut quand même te méfier de moi. Oui, ce que je fais c'est la fémania. Oui, ce que tu dis, ce que les gens font avec mon nom. Ce que les gens font avec mon nom, de ramasser mes photos. Mes photos sont devenues maintenant que. Mais c'est pas possible. Il n'y a pas une personne qui est la plus piquée et piratée. Avant c'était Samuel et tout. Maintenant c'est moi. Toi, tu as une opportunité, un parvenu comme toi. Un parvenu opportuniste comme toi. Tu es là, tu t'agites. On a l'impression que tu as toujours besoin de reconnaissance. Tu entends avec quoi? On parvenu, un petit parvenu comme toi, un arriviste comme toi. Hein? Mon bon pour citer nous, mon pire pour faire les citer nous. Toi, tu vas venir m'appeler et servir. Tu sais sur quoi tu comptes? Hein? Moi, je te dis ça. Tu sais sur quoi tu comptes? Va bien te renseigner. Qu'on ne te trompe pas. Même toi et toute ta bande là, j'ai la capacité à moi seul de vous mettre hors d'état de nuit. Je te le dis, si tu veux, on essaye. Ça dépend de toi. Je vais ravager jusqu'à tes conneries là que tu marches avec, ça bouge partout, comme ça, les grosses mèches sur la tête, comme pour l'autre qui est là-bas. Tu te prends pour qui? Moi, je t'ai souvent vu là, tu sur la toile. Tu sais que quand tu fais des problèmes avec quelqu'un, tu vas chercher les gens de ta branche, de la rose, quoi là, que la personne, ben, quand il va partir au Cameroun, marcher et tout. Mais vous blaguez souvent, c'est parce que vous n'êtes pas encore tombé sur des calibres lourds. Je prends 5 mètres spirituels de différents pays, on t'en cercle. On m'a eu un parvenu comme ça, racaille va. Toi, tu vas insulter une femme cervelée, toi. Toi, tu vas insulter une femme cervelée. Avec la chose que je vois à côté de toi là, tu vas insulter une femme cervelée. Tu aurais pu trouver une autre insulte, mais pas cervelée. Quand on a une goutte aussi vide que le machin qui est à côté de toi là, on insulte pas les gens cervelés. Tu te prends pour qui? Toujours parce que les gens te marchent une jeune crème ou une fois. Stéphane, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABY. Voilà comment NOSABY s'écrit. N-O-S-A-B-Y. Tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABY pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. Ça dit, je vais te donner 5 euros. N'Djor, 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. Ça dit que moi, je vais te donner 10 dollars. N'Djor, 10 dollars. Quoi? Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. J'ai dit 2 euros, seulement si c'est 1 milliard, 200 millions, 200, c'est 2 euros seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais. C'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon téléphone, je fais avec mon téléphone, c'est mon téléphone.